Salut à tous, c'est 77 Cavaliers, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 28. Donc, avant de retourner dans l'animus, il fallait que je vous dise que je me suis rendu compte que l'épisode 26 est plus court que prévu, etc. Et j'en suis désolé, c'est que j'ai prévu de le faire en deux parties pour moi, les assembler, et j'y ai plus pensé, donc voilà. Donc on s'en est arrêté ici, j'ai été cambriolé, entre piraté, voilà, piraté. Quasiment tous les PC, il m'en reste plus qu'un, j'ai quasiment toutes les notes, etc. Donc on va repartir et je pense que le dernier PC qui me reste c'est celui le PC de Mélanie, je crois, ou de Mélissa, je sais plus comment elle s'appelle. Donc on retourne dans l'animus et je pense qu'on va avoir une petite cinématique avec Caroline. Donc on a eu un petit succès, rentrer dans l'ordre, je sais pas du tout à quoi ça correspond, j'irai revoir tout à l'heure. J'ai même pas la chance d'avoir un perso. On va regarder le plafond. Oui, vraiment. Alors messieurs, que dites-vous de cet endroit ? Ce sera parfait pour nous. Mais à long terme, nous devons étendre nos opérations. Nous devons vivre et travailler parmi ceux que nous protégeons, comme jadis Altaïr nous l'a conseillé. Eh bien, en attendant, vous êtes ici chez vous. Edward, Capitaine Woods Rogers a survécu. Il a repris la route de l'Angleterre, couvert de honte et de dette, mais tout aussi dangereux. Je finirai ce que j'ai commencé à mon retour. Tu as ma parole. Bonsoir, Anne. Edward. Je vais partir pour Londres dans les prochains mois. Je serais vraiment ravi si tu venais avec moi. L'Angleterre est le dernier endroit où une Irlandaise irait. Tu vas rester avec les assassins ? Non. Je ne partage pas leurs convictions au fond de moi. Et toi ? Le moment venu. Quand mon esprit sera apaisé, mes affaires réglées. Navire en vue ! Il approche de la crique ! T'es un homme bon, Edward. Et si la vie te donne l'occasion de trouver ta place quelque part, tu feras un bon père un jour. Of all the money that e'er I had, I spent it in good company, and all the harm that e'er I've done, alas, it was to none but me. And all I've done for want of wit, to memory now I can. So felt me the parting glass. Good night and joy be with you all. Sorry for my going away, and all the sweethearts that e'er I've loved, they'd wish me one more day. But since it falls unto my lot that I should rise and you,
gently and softly call the night and joy be with you all. Good night and joy be with you. Père, avez-vous toujours su piloter un bateau? Le Jackdaw est un navire, Jimmy. Pas un bateau. Mais avez-vous toujours su? Non. Non, j'ai appris après mon départ de Bristol. Après avoir abandonné mère? Eh bien, je n'ai pas abandonné. Enfin, je ne suis pas parti sans dire au revoir, c'était un arrangement, tu comprends, entre ta mère et moi. Elle disait que vous l'aviez abandonné. Elle disait que vous vouliez naviguer sur votre bateau et gagner de l'argent au Nouveau Monde. J'ai toujours voulu naviguer, c'est vrai. Mais pas pour m'amuser. Pour que nous vivions mieux. Pour prendre soin d'elle. Pour prendre soin de toi. Pas de moi. Mère disait que vous ne saviez pas que j'existais. Elle disait que vous n'écriviez qu'une fois par an et qu'elle ne savait jamais où vous étiez. C'est vrai, j'en suis désolé. Si j'avais su plus tôt, je ne sais pas. Vous serez peut-être rentré. Je l'espère, en tout cas. Vous deviez être très occupé. Moi, c'est ce que je crois. Je l'étais, mais ça n'aurait pas dû m'en empêcher. Je peux mener votre bateau? Un bateau? Je ne vois pas de bateau ici. Et toi? Oh, je voulais dire navire. Mais honnêtement, je ne vois pas la différence. C'est très simple, Jenny. Un navire peut transporter un bateau. Mais un bateau ne peut pas transporter de navire. Alors, petit ou grand, ce ne sont que des navires. À part mon tout petit bateau, celui que je prends dans mon bain. Ouais, c'est une manière de voir les choses. Jenny, c'était difficile de parler de Caroline, de ta mère? Non. Elle est morte depuis plusieurs années. Elle me manque, mais ça va. A-t-elle souffert? Je ne sais pas. Je ne crois pas, en fait. Elle a été très joyeuse pendant un certain temps. Puis, plus vraiment. Je ne la voyais plus beaucoup après cela. Et ensuite, elle est morte. Je suis désolé. Je regrette de ne pas avoir été là. Ce n'est pas grave. Vous êtes là maintenant. Et nous partons à l'aventure. Une aventure modeste, j'espère. J'en ai vécu assez pour toute une vie. Verrons-nous une baleine, père? Oui, il y a de fortes chances. Et des pirates? Est-ce que je vais voir des pirates? Non, ça, en revanche, ça m'étonnerait. Oh, c'est dommage. J'aurais tellement aimé en voir un. Je vais te dire une chose, Jenny. Dès que ces vents auront un peu faibli, je te laisserai barrer le Jackdaw. Un petit tour à la barre avant la nuit. Oui! Miss Jennifer Kenway, permettez-moi de me présenter. Jennifer Scott, je vous prie. Je suis désolé, je... Ma fille a été élevée par sa mère, Caroline, jusqu'à ce qu'elle nous quitte il y a quelques années. Jenny a toujours préféré son nom au mien. Ah, pardonnez mon ignorance. Je le ferai. Elle, c'est moins sûr. Vous pouvez m'aider, père? Ce petit vaurien, en revanche, est bien Kenway. Qu'y a-t-il, Etab? Je n'arrive pas à voir la scène. Allons-y. C'est mieux? Oui,
Mais n'allez-vous pas fatiguer ? Eh, je ne suis pas si vieux que ça. Mais si je fatigue, alors on filera de cet endroit guindé et on ira prendre un chocolat avec ta mère. Ça te plairait ? Oh oui, père ! Bon, chute maintenant. J'ai pas d'autres mots. Extraordinaire. Donc voilà, tout est lié, Tam. Je savais bien que Kenway, comme ils avaient le même nom, je savais pas du tout par contre le rapport. Donc en fait, ce qu'on vient de voir, c'est qu'on est passé avant le 3. Avant le... Merde. Le 4, en fait, est la période juste avant le 3, en réalité. Et Tam est devenu un Templier. Et son fils va redevenir un assassin. Et donc, ils ont mis la scène de théâtre comme au tout début de l'ancien... Assassin's Creed. Au début, on était Tam et qu'on devait se hisser au-dessus de la scène et aller tuer quelqu'un. Bref, ce jeu était splendide, magnifique, tout ce qu'on veut. La Action a vraiment embelli absolument Assassin's Creed. Tout est bien, franchement, il n'y a pas à dire. Après, il y a eu des bugs, il y a des moments où quand tu cours, ben voilà, tu vas pas forcément sauter au bon endroit, mais comme je le disais dans d'autres épisodes, on peut pas attendre d'un jeu qui a un univers gigantesque, un scénario de malade et tout, un gameplay extraordinaire, de pas avoir de bugs. Si on commence à faire ça, il faut le jeu parfait n'existe pas, et je pense qu'il y aura toujours des bugs dans chacun des jeux. D'ailleurs, j'ai même plutôt l'impression que plus ça avance, plus on voit de bugs apparaître dans les jeux. Donc c'est tout les amis, ça sera une courte vidéo de grossièrement 12 minutes je pense, je sais pas s'il y a un autre prologue après. Et voilà, l'histoire était vraiment magnifique. Le personnage, on a mis très longtemps, enfin pour ma part, très longtemps avant de l'aimer. C'est un personnage détestable et qui à la base partait très mal et puis à la fin se rattrape vraiment bien. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'ai vraiment aimé vous faire partager cette aventure. J'espère que elle vous a plu et que vous allez tout regarder si ça n'est pas déjà fait. Donc là, je vais me focaliser sur Assassin's Creed Unity. Je voulais finir ceci avant vraiment de partir sur Assassin's Creed Unity. Et en fait, les épisodes vont se chevaucher puisque j'ai mis un temps avant de faire tout. Et j'espère vraiment que ça va vous plaire et que ça vous encouragera à continuer à me regarder. Donc voilà les amis, on va passer je pense. Je pense pas qu'il y ait de succès comme sur le 1 où il fallait regarder toute la... Un autre succès déverrouillé encore. Donc j'ai débloqué tout ça. je sais pas du tout à quoi ça correspond. C'est peut-être une carte... C'est pas des Stelmaya, ça? Si? Bon, en fait, j'ai déjà fait tout ça, donc c'est réglé. Donc voilà, on a tout fini! Qu'est-ce qu'il veut, lui? C'est pas qu'est-ce qu'il veut, c'est qui c'est? Je peux te parler. Et je peux te tirer dessus. Ok. Bon, c'est bon, arrête de tirer. On peut pas utiliser toutes tes balles. Donc voilà. Je pensais qu'on avait plus de missions que ça. Enfin, la dernière fois quand j'ai regardé, on était à 80. Ouais, voilà, on est à 99%. J'ai fini tout. Donc la dernière mémoire, c'était plus. Voilà, c'était un épilogue. C'est même pas une mémoire, c'est un épilogue. Et il me reste un coffre enfui à avoir. Voilà, donc on m'a dit que c'était avec les flottes, je reverrai bien. Puis voilà, donc la tour de passe, vraiment ce jeu je le conseille à n'importe qui. C'est vraiment l'un des meilleurs auxquels j'ai joué. Enfin, plus j'avance, plus ils sont meilleurs, c'est logique. Mais vraiment extra. Et le prochain Unity a l'air vraiment d'envoyer du lourd aussi. Ouais.
prendre à des gardes et tout. Enfin, ce que j'aime bien aussi, c'est... Par contre, ce que j'ai trouvé moins bien, c'est que voilà, dans l'ancien, on avait un manoir qu'il fallait améliorer, il y avait des gens qui nous rejoignaient, on créait un village. Là, au niveau de la création des choses, on n'est pas très... On n'est pas allé très très loin. Voilà, t'as ton machin, tu chopes ta tenue, tu ramènes des œuvres. Je veux dire, sans ça, tu refais un ravalement de façade. Enfin, je veux dire, c'était pas passionnant au point de faire le village comme dans le 3 ou autre. Donc on verra bien dans les prochains, je sais pas du tout. Attends, est-ce que je peux interagir? Tu fais quoi? Voilà, si. Je sais pas du tout ce qu'elle fait. Ils se font des kiffs, je sais pas. D'accord. Ok, voilà, la gratuité des choses. Donc pour la dernière, vu que c'est la fin et que j'ai rien d'autre à vous présenter, on va se bourrer la gueule, voilà. Riche en rebondissements ce jeu quand même, y'a pas à dire. Donc vous inquiétez pas, j'aurai fini le jeu à 100% d'ici là. Enfin d'ici là, en gros il me reste plus que le coffre enfui et puis voilà. Et puis un ordinateur aussi dans... quand je quitte l'Adius. Bon c'est quoi, on va quitter l'Adius. Il y aura peut-être un truc. Quitter la nuit. Hop. Il dit quelque chose. Oh. Voilà. Je savais bien que c'était elle le dernier. Bon, on va le faire. Puis... Comme ça, ça évite de faire un court épisode. Voilà. Oh là, paye ta difficulté là. Eh merde. Eh merde. Eh merde. Eh merde. Ok, bon, on va faire les choses bien. Je dis bien. Voilà, vite. Hop, 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 hop. Les premiers comptes rendus relatifs à Aveline de Grandpré nous ont conduit à penser qu'elle serait trop impulsive et controversée pour plaire à un large public. Les mémoires de son adolescence montrent qu'elle a subi un lavage de cerveau et a été formée à tuer les opposants politiques de son mentor. Je vais les passer et je mettrai ça dans le dernier épisode. Tout sera regroupé. Donc je vous dis à la prochaine les amis. Puis portez-vous bien, puis on se retrouve pour Assassin's Creed Unity. Et puis Watch Dogs. Donc salut, bye.